tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour le 7e épisode sur Assassin's Creed Unity. Avec un petit chargement, vous devez vous demander pourquoi. Dans le précédent épisode, je vous avais laissé en haut de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, après avoir tué Sivert. Pour la simple et bonne raison, je vous avais dit j'allais essayer de faire les deux défis optionnels. Alors, je n'ai pas réussi, c'est presque. C'est très très compliqué de réussir à tuer. Deux gardes, mince, comment ils s'appellent déjà? Deux extrémistes ou quelque chose, oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est les extrémistes, en restant cachés. Et voilà ce qui a failli se passer hors caméra. Donc j'ai réussi à temps à couper la caméra. On est tout au ralenti. C'est gentil. Alors, bon, et mis à part ça, en fait, ça se résout Ah ouais, carrément. Ah d'accord. Ok, il faut que je saute là-dedans. Ok, I understand mieux. Ok, Arnaud, t'es un flemmard. Ça? Ok. Donc, je comprends un peu mieux. Donc, il faut que je change de serveur, etc. Sinon, les Templiers risquent de nous avoir. Et je m'attendais pas à une telle chose juste après la réalisation de la mission scénario de la cathédrale. Enfin bref, je saute dedans. Donc, bien sûr, quelque chose de parfaitement logique. Hein, on est bien d'accord qu'Arnaud, ça devait lui arriver à l'époque de sauter dans quelque chose comme ça. Sûr. Enfin bref. Un succès déverrouillé, premier sang. Et chargement donc. On a évité de justesse à ce que les Templiers du présent nous trouvent. Et chargement. Alors ces chargements, ils sont un peu longs, hein, les quelques chargements qu'on a de temps en temps, je trouve. C'est un peu dommage. Sachant que dans Assassin's Creed 4, ils avaient quand même supprimé au maximum les chargements. Ok. D'accord. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quoi? Ne sont pas vraiment là. Ah oui, je comprends. Alors, vous disposez de points sync non dépensés pour les affecter, accéder au menu. Logique. Logique, Arnaud qui vient de se retrouver propulsé un siècle plus tard. Oui, oui, parfaitement logique. Oui, en même temps, c'est logique. Personnalisation du personnage de petite seconde. Compétences. Alors, discrétion. C'est quoi ça? Partage son... Ah oui, bon, ça, c'est si on fait de la cop. Déguisement. Ouais, c'est cheaté, quoi. Déguisement double assassinat. Dissimulation dans le décor. Ça pourrait être utile quand même. Je vais prendre ça. La dissimulation dans le décor. Et porter... ouais, arme à distance. Ça pourrait être une idée, ça aussi. Et après, ça coûte cher. Après, ça coûte cher, très cher.
Ouais, non, je sais pas pourquoi ils me disent l'âme fantôme. Enfin bref. Ok. Ah bah oui, en même temps, la guillotine, elle devait plus exister maintenant. Tac, 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 tac. Ok, mea culpa, je fais comment? Sachant que j'ai même pas la carte. Hein? Ah! Bah oui, le métropolitain, bien sûr! Bah voilà, entrer dans la station de métro, rejoindre la sortie du réseau du métro. Y a pas un métro qui va arriver, j'espère! Sûrement. Bon, bah j'ai. Ah non, j'ai envie de dire j'ai l'impression par là, mais non. Ah, sûrement là. En fait, tout simplement. Oui, je pense que c'est par là. Ok! Oh bah oui, hein. On va faire de l'escalade en plus au passage. Normal! Allez, zou! Hop là! Waouh! Oh putain! J'aurais pu me faire écraser. Je m'y attendais pas celle-là. Alors, on grimpe, on grimpe. Ils auraient au moins pu me filer une autre apparence que celle d'Arnaud pour voyager là-dedans. Ça aurait été plus logique. Bon bah voilà, hein. De toute façon j'ai envie de dire c'est éclairé. Il y a des lumières partout où on doit aller. Suivons la lumière. Allez hop. Wouhou. Yeah. Oh, les déplacements sont tellement plus classe. Wouhou. Waouh. Oh putain. Un cours! Cours! Allez, cours! Wow! La vache. Oh le bordel de merde. J'ai bien cru que j'allais me faire avoir en plus, parce que vu que je suis resté un petit peu coincé. Ah, ça y est, c'est la sortie? Ouais, bof. Wouhou! What? Tu as trouvé la solution. Tu dois porter une énergie instable. Impossible de savoir quel effet il aura sur la situation. On a dit qu'on était à Paris. C'est la Statue de la Liberté. Alors je sais bien que c'est Paris qui a construit la Statue de la Liberté, mais. Wouah! Ah c'est sympa, je me mange tous les. Ok, sympatoche. Dites-le que vous voulez pas que j'avance, hein. Ça ira plus vite, hein. Hop, on va se soigner. Hop là. Si je me mets à couvert, ça m'évitera de les prendre, les trucs. Yop, 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 yop. Je pense que c'est par là qu'il faut. Ouais. J'ai un nez de la chance. Il devrait déjà l'avoir envoyé? Ah. Mais non, à la belle. Attendez que je dise pas de bêtises, la belle époque. Si, 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 oui, il devrait déjà l'avoir envoyé. Enfin bref. Wopley! Oui, parfaitement. Allez. Bien sûr. Je le sens pas ce truc là! Oh bah oui! Ah oh oui, ça c'est du saut. Oh les belles montgolfières. Sympa l'image. Sympa.
Faille débloquée, didacticiel de faille débloquée. D'accord, donc passerelle entre serveurs, fin de siècle, mémoire terminée. Donc j'imagine qu'on aura d'autres fois à le faire. J'imagine. Wouf. Wouf, wouf, wouf. Je m'attendais pas à ça. C'est sympa. Sympa, ça fait un petit travelling en fait quoi, ça fait un petit parcours. Un petit parcours de santé. C'est sympa. Mais bon. Dire qu'on a propulsé Arnaud Dorian un siècle plus tard, ça le fait pas trop quand même. Enfin bref. Oh, c'est long. C'est long, c'est cher, Jamin. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ah, retour à la Révolution française. Eh, devant la cathédrale en plus. D'accord. D'accord. Gagner de l'argent pour recevoir de l'argent, des francs, explorer les récifs parisiens, vols et failles. Les armes et équipements de grande qualité coûtent plus cher. Non, sans blague. Carte et filtre d'affichage. Appuyez sur un pour afficher la carte. Pour réduire le nombre d'icônes présentées. Ok. D'accord. Ben écoutez, justement, tiens, puisqu'on parle de se faire de l'argent, puisqu'on parle de se faire de l'argent, ah déjà il y a une boutique qui est juste là, on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Ah, je vous rappelle qu'il y avait presque plus personne ici hein, avant qu'on fasse ce transfert, cette passerelle entre serveurs. Enfin bref, consommable. Bombe fumigène, j'en ai 4. C'est des munitions que je veux. Oh là là, j'en ai 6. Oh, ça fait peu. Je vais reprendre des remèdes aussi. Voilà. Crochet, j'en ai plein. Lame fantôme. J'ai pas. Alors, j'ai toujours pas vu non plus comment faire pour switcher l'arme principale avec les lames secrètes. Non, attends, je voulais pas voir que les consommables. Préparation de l'équipement. Alors, on va voir peut-être plutôt pour s'acheter une arme. Alors, ça m'inspire pas trop. Épée à tranchant unique. Donc, quand c'est jaune, c'est que c'est mieux. Épée à garde en panier, c'est pas mal ça. Dégâts supplémentaires 25%. Ah ouais, mais c'est si tu l'améliores. Pirater, amélioration, améliorer. Ah, je peux l'améliorer contre des points credo en fait. Mais bon, je vais quand même acheter celle-là qui est plutôt pas mal. À moins que j'achète celle-ci. Oh oui, celle-ci est vraiment bien. Pour le moment, je vais faire des achats en fonction de ce qui me plaît. En fonction de ce qui me plaît. Et puis, je verrai si j'achète ou pas toutes les armes. Je pense que cet Assassin's Creed Unity est très long. Honnêtement, je pense qu'il doit être vraiment long. Parce que vraiment, quand je vois cette quantité d'armes, je me dis c'est juste pas possible autrement que d'être long. Alors, et pistolet, s'équiper. Voilà. Et ma foi, pourquoi pas l'améliorer aussi. Ça coûte rien. Et je suis en train de me dire d'ailleurs, je vais aussi améliorer. Ouh, ça coûte cher. Ouais, je vais faire quand même améliorer et on verra plus tard pour des piratages.
Je vais attendre un petit peu en fait avant d'en faire parce que si ça se trouve, ils me proposeront les piratages de même. Alors, well. J'ai un point de synchro sur Notre-Dame. Tu les. Ouf, mais il y a des gardes et je sens qu'ils vont m'arriver dessus. On va aller prendre le point de synchro qui est là, je pense. Hein, sur Notre-Dame. Waouh! Non, c'est là que je veux aller. On va vite fait aller le prendre. Ce sera fait. Et puis. Ah, les drapeaux. Oui, c'est vrai, les drapeaux français qui commençaient déjà à faire leur apparition à ce moment-là. Donc on va aller prendre le point de synchro, ce sera fait. De cette manière. Alors. Non? Je peux pas par là? Par là. Où est le point de synchro? Comment je peux l'atteindre surtout? Bon! Alors, on va passer par là. Pour voir, pour essayer de trouver le point de synchro. Et puis je pense que je vais me le prendre sur la carte. Ok! J'aimerais que tu grimpes en fait, Arnaud, quand même. Merci, c'est gentil. Alors, quelque chose me dit qu'il doit être par là. Pas pourquoi. Bizarrement. Comme une intuition, comme ça. Alors, est-ce qu'il est plus haut? Sûrement. On va zoomer. Je veux donc le point de synchro. Wow. Ah ouais! Oh la vache! Point de vue! Oui, il est plus haut, hein, en effet. Hein. Je suis juste en dessous, même, je dirais. Alors. Ouais, mais je peux monter après quoi, en fait? D'accord, je peux pas monter. C'est intéressant. Ok, donc je peux vraiment pas monter. C'est super intéressant. Dites-moi, alors peut-être que si je cherche un peu autour. Ah, alors là on peut monter. Alors, pourquoi tu pouvais pas grimper à ça des autres côtés? Là, je trouve que c'est mal. C'est pas hyper bien fait ça. Enfin bref. Allez! Wouah! Et ben voilà! On y arrive! Ah! Je pense que ça doit être le point de synchro le plus haut de Paris. Ça va nous donner une très belle vue. Très très belle vue. Regardez comment c'est immense! Ah vache, je suis même pas sûr qu'on voit la totalité d'ici. On doit être à peu près au centre. La vache, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment une véritable claque pour moi. De toute façon, c'était dit hein, que ça serait une claque. Et wouah! Faut pas avoir le vertige! Alors, c'est quoi ça? Ce petit papier. On va voir, hein, écoutez, hein, il nous reste. Oh, ça fait même déjà une bonne vingtaine de minutes. Ah, le papier il est par terre. Interagir. Le Patriote. Ouais, c'est un journal, quoi. Ouais, pas hyper, hyper hein, pas intéressant. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité dans le coin? C'est la carte que je voulais. Que je pourrais faire. Vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Qu'est-ce que je pourrais faire dans le coin? Alors, il y a un récit parisien, le culte de Baphomet. Là, il y a une énigme de Nostradamus. Ah oui, c'est des inscriptions de l'animus.
Ouais, ça c'est pareil, c'est des trucs de la base de données, hôtel de Dieu. Ça, c'est un... une mission en coopération. Ah, on peut le faire en public, donc on peut faire de la coopération avec des gens qu'on connaît pas du tout. C'est bien ça. Explorer le café-théâtre, ta-ta-ta-ta, c'est quoi ça? Versailles, déplacement. D'accord. Donc là, ce serait Versailles? Oh là là! Ok! Ah oui, non mais c'est... En fait, quand c'est... la vache! Ah oui! Non mais quand c'est immense, en fait, ils l'ont pas fait... Ils l'ont pas fait à moitié, quoi! Waouh! La taille! La vache! Bon, écoutez, on va essayer, on va s'essayer à ce récit parisien. Bon, je sais où il est, de toute façon. Il est pas loin. Il est par là, normalement, justement. Voilà, le voilà. Hop là. Je l'ai plaqué. Et je fais quoi après? J'ai accompli deux événements publics. Mené à bien l'ensemble pour recevoir une récompense. J'ai arrêté un voleur et tu l'as pas fait? C'est une bonne raison? Non? Pas une bonne raison? Alors. Voilà. Le culte de Baphomet, récompense de 400. Accepter et suivre. D'accord, donc on retourne à Notre-Dame. Ok. Ok, là il y a une autre mission en coop. Donc il me faut retourner à Notre-Dame. Soit. What? Alors là, c'est un epic bug, chers amis. Epic bug. Je pense que cette séquence, je me la garderai même pour faire peut-être une compilation de bugs. Wow. Ça, c'est du bug. Je suis sur quelque chose d'invisible. C'est pas mal. Ok, on continue. Alors, est-ce que je peux la saboter? LOL! Ah oui, mais par contre, ils sont pas contents. J'avais pas ré, mon gars. Allez! Ouf! Et voilà! On va reprendre. Hop! Et voilà. Coup de grâce, 100 points de credo. Alors. On a dit les calices. Alors, il y en a un là. Et il y en a un autre là. Je pense que ça va être assez facile de les voler. Ouais. Alors non, peut-être pas si facile que ça. Ça aurait été trop simple de passer par là. Beaucoup trop simple.
Hey, vous êtes violent, j'ai rien fait. Alors, lui, c'est fait. Par contre, comment je vais faire pour passer ces deux-là? Ah, par au-dessus. D'accord. Ok. Par où je peux monter? On peut pas monter par là? Non, on peut pas? Non, on peut vraiment pas? Ah! Peut-être qu'une fois là. Non. Bon. Ah ouais, mais là je vais me faire repérer en fait. C'est un peu con. Comment se retrouver coincé face à un chandelier? Je me suis tiré, c'est bon. Calmez-vous les mecs. Alors, on va monter par là. Hop! Oh, j'adore gagner des points de credo juste en utilisant un élévateur. Ah, peut-être tout simplement de la fenêtre là-bas. Ah! Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors. Ah, ouais! Oh, beautiful! Et voilà! Salut les mecs! Wouh! Voilà, donc j'ai dérobé ce que je voulais. Tout simplement. Et maintenant, on va ressortir dans la plus grande discrétion. Poupouloup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